énormément changé. On va remonter à 10 ans cela. Lorsque je disais aux gens que j'habitais à la Courneuve, c'était « Oh, t'habites dans un ghetto ». Et maintenant, avec toutes les nouvelles constructions qu'ils ont faites, c'est vrai que la ville, elle est mieux. Il y a eu des nouvelles constructions, il y a eu pas mal de choses. Non, c'est agréable. Hein. Je trouve que les rues, même la ville est plus jolie. Mais après, pas de grands changements non plus. Dans certains coins, on trouve que c'est encore... Enfin, on n'ose pas vraiment y aller. Je pense que la Courneuve est en voie de changement. Déjà des quartiers qui ont été très fortement bouleversés. Il y a un gros développement, ne serait-ce qu'au niveau des infrastructures. Mais par exemple, cette bibliothèque, c'est très bien. La médiathèque, c'est vraiment très bien. Il y a... Après, nous, on est proche des quatre routes. Je trouve que ça se dégrade. Je trouve qu'elle se dégrade de plus en plus. Je pense que des gens sont plus, ils ont plus de facilité à venir à la Courneuve. Une fois qu'ils le font une première fois, ils réalisent qu'en fait, on y arrive très très vite. Pour moi, le parc de la Courneuve, c'est un poumon pour la ville, mais aussi pour la région. Et j'espère que ça ne changera pas. Le marché. Une meilleure fluidité pour la circulation. Par exemple, on a un tramway qui la galère, ça, parce que les petits, toujours, il est plein. J'imaginerais que l'autoroute et le RER deviennent souterrains et qu'en fait, il y ait une magnifique esplanade qui unisse la Courneuve à Aubervilliers ou des espaces verts. Peut-être un peu plus de verdure, moins de ces grands bâtiments, c'est vrai, parce que je pense que ça contribue aussi à ces clichés. Déjà, la construction, que la construction soit plus humaine. Déjà, ne pas entasser les gens. Je pense améliorer les complexes sportifs. Ça serait bien qu'il y ait des petits cafés, des lieux de rencontre, etc., je trouve. Bah, une ville fleurie, déjà. C'est nos enfants qui vont prendre la relève et j'espère qu'ils seront toujours fiers de leur ville. Ne pas démolir le parc de la Courneuve parce que c'est un lieu culte aussi. On a grandi, on a joué là-bas, enfin voilà quoi, il n'y a qu'un parc. J'espère qu'on sera un peu comme Paris quoi. Quand on dit grand Paris, on sera comme Paris. Voilà, je pense qu'il y a encore quelques clivages et tout, et ça il faut vraiment réussir à faire sauter ces barrières-là. C'est-à-dire que moi j'ai envie que les gens aillent à la bibliothèque, viennent au conservatoire, enfin, qu'ils n'aient pas peur de cet endroit et qu'ils se disent ben, il est à nous cet endroit et il faut qu'on en profite. Moi j'aimerais bien que d'ici 20 ans, qu'on parle bien de la Courneuve. Pour moi je trouverais ça intéressant que ça s'améliore et que des gens, des habitants qui sont là aujourd'hui, ils sont encore là dans 20 ans.